Les voitures témoignent de l'importante violence de l'accident survenu hier soir sur la Nationale 1 près de Viard. Sur la chaussée, un camion est couché sur le flanc, tandis qu'un autre véhicule est gravement endommagé. L'accident s'est produit avec un véhicule Dacia que vous avez sur le côté qui arrive de Pointe-à-Pitre, qui a perdu le contrôle de son véhicule, a traversé la voie de circulation et il est venu percuter de face le fourgon qui vient d'être relevé à l'instant. Dès leur arrivée, les pompiers ont pris en charge les victimes. Au niveau du bilan humain, deux victimes, une en urgence relative, le conducteur du poids lourd, et la seconde en urgence absolue, le conducteur du véhicule léger, qui a été évacué au CHU par Dragon 971. C'est-à-dire en hélicoptère. Mais heureusement, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. La circulation est restée difficile durant plusieurs heures, avant de revenir à la normale autour de 18h.